C'est Biox Lobby et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tout simplement donc qui vient entre parenthèses des abonnés. En fait, je vous avais fait une vidéo il y a un peu plus d'une semaine, c'était sur l'argent illimité sur Arma 3. Donc je vous le dis d'avance, faites attention avec cette technique, il faut pas en abuser. Et je vais vous montrer tout de suite le tutoriel parce que je suis arrivé à 5 gemmes comme je vous avais promis. Donc tout simplement, vous téléchargez le logiciel Speed Auto Clicker, donc je mettrai le lien dans la description, voilà, donc vous l'installez, vous savez le faire. Donc ensuite, vous le lancez, donc vous lancez aussi votre jeu Arma 3, vous n'oubliez pas. Alors ensuite, vous aurez sur, à côté de l'horloge de votre ordinateur, un Speed Auto Clicker, donc sur la flèche, et vous allez cliquer dessus. Donc ici, vous allez, donc, assigner une touche, donc moi je vais prendre la touche A par exemple, et vous allez mettre les mêmes configurations que moi ici. Et je vous laisse regarder le programme. Voilà, donc je pense que c'est bon. Donc surtout, vous laissez le logiciel ouvert. Donc vous retrouvez tout de suite sur Arma 3, donc pour la suite du tutoriel. Donc une fois que vous êtes dans le jeu, donc moi j'ai trouvé un serveur allemand, donc un vieux, un inconnu complet. Donc j'ai 500 000 en banque, tout pile. Donc ce qu'on va faire, alors attendez, on va aller à l'ATM, on va se mettre les 500 000. Les garages, attendez, c'est là. Il y a tous les serveurs. Donc vous achetez vite fait un véhicule, donc on va s'acheter. Allez, on va s'acheter un petit SUV. Voilà, donc vous avez votre SUV. Vous le mettez dans votre garage. Voilà. Véhicule garage. Et là, donc la touche que vous avez assignée. Donc regardez dans cache en bas à droite, pardon. C'est marqué 470 000 et en banque 0. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez appuyer longtemps en clic gauche sur vente. Donc vous restez appuyé. En même temps, vous allez appuyer sur la touche que vous avez assignée pour faire le glitch. Donc voilà, donc mon jeu freeze, le vôtre aussi normalement. Et vous attendez quelques temps. Donc on va attendre un petit peu, moi j'attends un petit peu quand même. J'espère pas qu'elle n'entisse pas sur ce serveur, parce que dans le DSG2 ça n'a pas marché. Et voilà, vous pouvez lâcher. Voilà, donc ça fait... Ah voilà, vous avez été éjecté de la partie, mais regardez, 3 840 000 en bas à droite. Donc je vous l'ai dit, il faut pas trop le faire, parce que vous voyez, j'ai été éjecté par Battle-Eye. Mais en tout cas, ça marche, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Et ceux qui ont aimé pour la vidéo précédente, aimez pour celle-là aussi, ça me fait super plaisir. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à plus tout le monde, et abonnez-vous.